thank you J'espère que vous allez bien. C'est reparti pour une nouvelle semaine de live sur la chaîne Adobe France ou sur le site de Biens. Bon, vous savez bien maintenant, on va vous partager le lien pour nous rejoindre sur Biens, Comme ça, c'est plus facile sur le chat. Euh, Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Grory. Hello Nicolas. Salut <laughs> Salut ça à ça tous va Ça va très bien, merci. Merci ça de m'inviter. Ouais, oui. le créneau est incroyable. Euh... Bah oui Lundi, après avoir mangé, début de semaine, ah, il faut regarder un live. Ouais, carrément. Mmh. Et bah, du coup, moi, je dis bonjour à tout le monde euh, dans le chat. Bonjour à Delphine, Robin, Adrien, Thierry, Jamila, Aiguen. Voilà, bonjour à tous. Il euh, y a Alexandre qui va vous partager le lien dans YouTube pour avoir le pour nous rejoindre sur BN. Et bah, Nicolas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Yes, bah voilà, je m'appelle Nicolas Grandry, motion designer, euh, euh, animation 2D enthousiaste, euh, touche un peu à la 3D et voilà, je, je fais ça depuis très longtemps maintenant. Euh, ça fait 10 ans que je me consacre à l'animation. Et, et puis voilà, euh, j'ai un parcours scolaire, j'ai fait une école euh, qui m'a appris le motion design. Ok. Et euh, c'était une école euh, qui, qui, qui brassait vraiment large, j'apprenais à la fois le, le site web, le, la 3D, la 2D, euh, en 2D il y avait Motion Design, VFX, ouais. et puis au fur et à mesure de mes années j'ai fait le tri dans tout ça, et je suis resté sur, euh, sur le Motion Design, et euh, l'animation 2D, c'est-à-dire euh, les le caractères animation, euh, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai accroché, je dessinais beaucoup à cette époque-là, et redonner vie à mes personnages, euh, c'était incroyable. C'est trop mignon, il y a Simon qui vient dire, tout le corps tu te regardes. Ah, c'est bien ça. Je, ah, je, je, euh, je les ai drillés, je n'avais pas peur, j'aurais dit, bah, allez-y, posez des questions compliquées sur le chat. Euh. <laughs> et ben bah, écoute, est-ce que tu nous partagerais euh, ton travail on va, ouais. on va regarder ton écran. Ouais. Et euh, bah, c'est toi qui promènes. nous euh, okay. promènes, montre-nous comment tu as été présenté Super, bah, là on est sur mon site web qui a trois jours euh, de, depuis la dernière mise à jour. Avant ça, c'était il y a deux ans. Donc, il y a pas mal de, de nouveaux travaux. Euh, bon, on va commencer par le haut. Euh, ici, c'est vraiment un travail important euh, euh, que j'ai fait récemment. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop redite, car euh, ouais. ce travail a été… Euh, ah, a mais été, oui, euh... j'étais en train de me dire que ça me disait quelque oui. chose. Mais oui, mais ah, oui. Ah, mais c'est donc là que tu, de là que tu viens. C'est ça. Et en fait, euh, donc je suis euh, euh, le binôme sur ce projet avec Renaud Lavancy, qui est illustrateur, directeur artistique, réalisateur sur celui-ci, euh, un homme incroyable que vous avez déjà invité, donc je, je ouais, vous renvoie on, évidemment on à la vidéo. Il y a, il y a deux trois semaines, ouais. qui nous a parlé de ce projet. Donc voilà, euh, bah, j'aime bien commencer par celui-là car euh, je vais faire play. Je pense que vous n'avez pas le son. Oui, en fait, nous on n'entend pas le son, donc tu peux ouais. nous parler par dessus. Ouais, c'est dommage parce que le son design est vraiment incroyable. Mais donc euh, en en tant que motion, euh, ça a été une prod euh, incroyable déjà parce que il y a un client derrière. Ce n'est pas un projet personnel. Et, euh, et avec Renault, on s'est battu euh, euh, sur le client pour essayer de garder cette qualité et essayer de venir avec euh, le maximum de ce qu'on sait faire. Et le client a été euh, incroyable, euh, hyper à l'écoute de, de cette demandes. Ça n'a pas été facile. Euh, Renault en a, on a transpiré pas mal. Je vais mettre un compteur Renault, je pense. Une fois que j'atteins ouais. 10 Renault, euh, j'ai un gage. J'espère que tu regardes. Ah, bah, oui, il bah, y a de fortes tu chances. Mais, euh, mais donc voilà, euh, ce qui a été super sur cette prod, euh, c'est que on, on a pu collaborer avec euh, d'autres artistes. Il y a un animateur frame by frame. Moi, je me suis occupé, on va dire, euh, de l'essentiel de l'animation. J'étais en lead animateur là-dessus. Et donc, lead animateur sur un projet comme ça, pour moi, ça a été surtout euh, de créer cette dynamique du film. Euh, le, le, les, le, les timings de transition, le passage de plan à plan, le, la durée dans chaque plan. Euh, on avait un script, on avait une VO, fallait se calquer là-dessus, fallait essayer de trouver un chouette rythme. Toute cette partie-là, par exemple, c'est un autre motion designer qui a travaillé dessus. Okay. Euh, euh, la supervisation des, du travail des autres a été assez faible parce qu'ils étaient ultra bons et très compétents. Donc, euh, c'est plus Renault qui a fait de l'art direction et, et de, 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 de la réalisation sur ce qu'il voulait de chaque plan. Ah, c'est marrant. On va peut-être y retourner plus tard. Euh... J'ai vu non. Renaud apparaître dans le chat. Oui, coucou Renaud. <laughs> du coup, on lui fait des bisous. Et il y a Candice aussi qui dit que elle dit il y a les, de, les anciens de IAD qui te regardent. Exact, c'est l'école d'où je viens. l'école bien, trop bien. Et, euh, et voilà. Euh, du coup, il y a, y, a y, y a une belle évolution entre ma sortie de l'école et maintenant. Je suis assez content. Euh, J'ai mis un peu de process ici, je vous invite à aller voir, on peut passer sur un, un autre projet. Donc vraiment, ce, que, ce qui, qui m'a plu dans ce projet-ci, euh, c'est qu'on était dans une dynamique d'explainer vidéo, dans le sens où on, on, on fait passer un message avant tout, on est moins dans juste la contemplation pure de l'animation, on doit essayer de garder aussi l'attention des gens et essayer de, de, pour moi, je trouve dans l'explainer vidéo de faire passer des émotions au travers de la narration. Et ouais. euh, cette approche a été intéressante. J'ai enfin, hâte de, 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 de recommencer. Je vais peut-être faire un, un jump dans le temps pour parler peut-être du premier projet qui m'a ouais, ouais. vraiment... Euh, et c'était aussi avec Renault. Bon, je, quasi tous les projets que vous allez voir là, c'est avec Renault. Okay. Euh, c'est vraiment les projets que je, je préfère le plus. Et du coup, c'est lui qui s'occupe de, de la partie illustrative. En fait, ce qui se passe, c'est que ouais, il est euh, en tant qu'illustrateur. Euh, je trouve que dans sa, dans, dans quand lorsqu'il fait, je, je fais play, hein, euh, ouais, comme ouais, ça, ouais. Vous n'êtes pas sur une, une image statique. Euh, je trouve que il, il amène tellement dans ses illustrations. On sent déjà le mouvement, on sent déjà, euh, on, on sent une direction réelle. Et, euh, et c'est vrai que c'est agréable de travailler comme ça parce que en fait, je viens, je viens un peu combler les vides. Euh, de ces illustrations, ça peut paraître péjoratif mais c'est juste un super agréable ici je reprends sur celle-ci par exemple cette transition-ci euh... j'ai pas les style frames mais c'est intéressant de voir que je recevais cette illustration-ci ouais. et puis je devais passer à, à celle-ci okay. avec la tour Eiffel et, euh... et donc à ce moment-là il euh, y a eu toute cette transition ici à trouver J'étais fort inspiré par euh, Elliot Slim euh, à cette époque-là. Il avait sorti un truc sur The Wire. Il utilisait euh, les audio-waveforms euh, audio dans son ouverture. J'ai voulu triquer un peu le truc en me disant, bah, d'accord, je vais utiliser les audio-waveforms, mais en plus de ça, je vais venir faire une, euh, un morphing de construction vers la, vers la tour Eiffel. Enfin, ouais. Voilà, donc ça a été un projet. Euh, déjà, euh, le client, c'est un groupe de musique, donc c'est un client idéal. Ouais, ah, idéal s'ils si ont des sous. On, on a fait un prix d'amis. Euh, ouais. je, je crois que c'était un peu une aide donnant-donnant. Et, et comme, euh, comme avait dit Renault, attention, on le met dans le compteur des, des citations Renault. Euh, comme l'a dit Renault, euh, les travaux personnels euh, euh, t'apportent beaucoup plus. Donc, euh, donc on, on, on vous laisse lancer avec ce projet-là. On était tous les deux en agence de publicité à cette époque-là. Euh, c'était pour nous hyper important d'aller au-delà de ce qu'on faisait à l'époque ouais, euh... et du coup c'est ça vous vous complétez super bien ouais. pourquoi ça marche si bien tu Très vois pourquoi euh, tu donnerais quoi comme conseil aux gens qui veulent se trouver une team comme ça merveilleuse bah, bah en fait c'est c'est un instant un peu émotion c'est pas, <laughs> de... pas facile de c'est pas facile de de donner un conseil là-dessus, parce que c'est la rencontre avec Renault qui, qui est le ça à donner. C'est-à-dire qu'il euh, y a une rencontre humaine, mais aussi il y a, il y a eu un match artistique euh, de deux profils. Je n'avais pas ses compétences, il n'avait pas les miennes, et on s'est super bien complété. Je pourrais dire à, à, aux animateurs qui auraient des faiblesses, soit de les renforcer, ce que j'essaye de faire et tout ça, soit de trouver quelqu'un, de s'associer en binôme avec cette personne qui comble ses faiblesses. Moi, j'étais toujours attiré par l'animation. Je trouvais que mon niveau de dessin n'était pas, pas, pas incroyable. J'aurais pu faire une carrière comme ça, mais, euh, mais je prenais beaucoup plus de plaisir à animer le travail d'un autre que le mien. Peut-être aussi parce que je n'étais pas sûr de mon tracé, de mon dessin, et je, je voyais plus de défauts dans ce que j'animais par rapport à l'illustration. L'inverse m'a complété énormément. Je me donne à 300 sur un projet où les illustrations sont magnifiques, euh, contrairement à contrairement à une approche plus, plus perso, où je, je vais pr me prendre la tête sur l'illustration pendant tellement longtemps okay. que, que ça va déforcer en fait, mon travail final. Euh, bon, c'est un vieux projet, <laughs> on va passer à un truc plus récent. Et tu penses que du coup ton style, il est... Comment tu trouves ton style en tant qu'animateur, motion designer, quand c'est tellement emprunt mmh. aussi de la patte de quelqu'un d'autre, tu vois Ouais, c'est une bonne question. Euh, euh, J'en ai jamais vraiment parlé, mais j'aimerais ai, en parler avec d'autres gens pour voir ce qu'ils qu en pensent. J'ai l'impression que par rapport à l'animation, je me sens un peu comme un batteur dans un groupe de musique par okay. rapport à un chanteur du même groupe. Euh, entre guillemets, j'ai l'impression d'être responsable de la partie euh, rythmique. Euh, le chanteur, c'est l'illustration, c'est ce qu'on voit. C'est le, le chanteur doit attirer sur scène. Et, et l'illustration fait ce travail-là. Euh, c'est vraiment une métaphore improvisée. Euh, J'ai réfléchi, mais là, dit comme ça, genre, bon ça ouais. mériterait une réflexion. <laughs> non, non, mais je <laughs> vois ce que tu as, c'est intéressant. Ouais. Mais donc, du coup, je me, je me sens pas... Euh, euh, je n'ai pas l'impression d'avoir spécialement un style parce que chaque euh, illustration va m'orienter différemment. Par exemple, ici, euh, bah, on est sur des boucles assez courtes, euh, les timings sont sont shorts. Il y a des transitions dynamiques, il y a du caractère. Enfin, euh, je sais pas, je sais pas comment dire. Euh, entre celui-ci, par exemple, où il y a un truc très smooth à trouver avec le dandinement du bassin, euh, la marmite et, et quelque chose ici qui a peut-être des timings plus secs, ça va vraiment orienter mon style d'animation, la façon dont je compose mes clés. Euh... Donc, je sais pas, j'ai l'impression aussi que si je regarde mon travail il y a trois ans, mon travail de maintenant, je me sens évolué. Donc, j'ai pas l'impression d'être enfermé dans un style et, et je trouverais ça vraiment dommage le jour où je verrais plus les défauts de mon travail parce que ça voudrait dire que j'ai atteint une limite et que je progresse plus euh, parce que ce sont les défauts que j'observe oh, ouais. qui me permettent de m'améliorer à chaque fois. Euh, donc, c'est pour ça que c'est difficile de partager des, des vieux projets euh, plus tard parce qu'on y voit tous les défauts de cette période-là. Mais c'est intéressant, euh, peut-être pour contextualiser, j'aurais pu mettre la date de chaque projet, mais en tout cas, euh, celui-ci est récent. C'était ouais. pour un client, c'est Rubix Cube d'ailleurs, c'est un, un client assez ah, cool. fun. ouais, à fond. C'est euh, une, une agence euh, londonienne. Et donc, c'est sur la page Insta de Rubik's. Pour, pour ne ouais. pas aller vite fait du projet, parce que je trouve que c'est encore. enfin euh, J'adorerais avoir plus de projets comme ça. Euh, en fait, Rubik's Cube essayait de toucher les millennials. Euh, le problème de Rubik c'est que ils sont vus comme euh, un peu nerd, un petit peu has-been, euh, ah. l'objet. Et donc, les millennials se désintéressaient. Et ils se sont dit, euh, ben, euh, non, on va essayer de rendre ça cool. Et on va aussi essayer de la complexité. Et savais-tu, Pauline, que. Toutes ces euh, phrases ici, qui sont en fait le, euh, la, euh, comment dire, un peu le, le script de chaque illustration et de, chaque, euh, de cet enchaînement d'animation, savais-tu qu'elles permettent de résoudre un Rubik's cube N'importe lequel Ah, c'est drôle, comment ça marche mais ça m'a choqué. Euh, en fait, je pensais qu'un Rubik's Cube, c'était avant tout une grosse réflexion de ⁇ Ok, je fais ça dans ce sens-là ⁇ et puis après... Euh... Non, mais t'as vu, il y a les mecs qui les font en trois secondes. C'est bien qu'ils aient un, qu oui. un truc. Ben, en fait, il y a un algorithme. Et l'algorithme permet de résoudre tous les Rubik's Cubes du monde, peu importe la, la, la composition. Et, euh, et ouais, ça m'a un peu surpris. Je ne connaissais pas. Et voilà, pour terminer là-dessus, en gros, pour l'instant, l'algorithme était expliqué au travers d'un PDF sur leur website qui était super ennuyant, où ils disaient chaque mouvement à faire. Et en fait, là, ils ont utilisé des... Je vais reprendre le mot parce que je crois que je ne l'ai même pas noté. C'est des mnotix Mnotix Ah, mnémonite. Ouais, voilà. Ça. C'est... C'est des phrases qui permettent de retenir un enchaînement comme euh, l'ordre des planètes, si vous ne le savez pas, dans le système solaire. Il y a une phrase comme ça qui est « Me voici, Terre magnifique, je suis une nouvelle planète ». Si vous prenez le, la première lettre de chaque mot, vous avez l'ordre des planètes. Ah, c'est cool, Il y a plein de trucs à faire avec ça. C'est une super bonne idée. Voilà, voilà. Donc, en gros, euh, quelqu'un qui a pas envie d'étudier euh, que il faut bouger front, puis il faut bouger up, puis il faut bouger la face arrière, puis la face du dessous, puis à nouveau la face d'avant, bah, il retient un peu une histoire qui se raconte en phrase. Et puis, et puis, il prend la première lettre à chaque fois et, et résout son remix. Ah, c'est drôle, c'est trop marrant. Voilà. Alors, euh, on a plein d'amour euh, oui. dans le chat. Est-ce qu'on a des questions Il y a Fabien qui met des petits cœurs. Ah. Il <laughs> euh, y a. Thomas qui passe le bonjour aussi, il y a Baptiste qui dit c'est canon. Il y a un Nico qui dit pour avoir déjà travaillé avec lui, je peux affirmer que c'est très agréable et très facile de communiquer. J'ai mon lobby. Je l'aime. <laughs> voilà. Il y a Delphine qui dit je connaissais pas ça en parlant des, des, des les phrases. Ouais. Et Tiphaine qui dit j'adore l'idée. Voilà. Cool. Une dose d'amour pour repartir j'en euh, avais bien besoin. <laughs> c'est pas vrai. J'ai plein d'amour ici sur ce live. On en a toujours besoin d'amour. C'est pas faux. Euh, un autre explainer vidéo. En fait, je sais pas pourquoi ouais. j'avais dit que le dernier était un des rares que j'ai fait. Euh, non. En fait, celui-là, il était super cool aussi. Euh, pour remettre un peu de contexte, c'est une université aux États-Unis qui demande à ses, euh, à ses étudiants d'installer un two-step authentication. En gros, ça permet de. Euh, vous savez, de la confirmation qu'on reçoit euh, quand, quand quelqu'un essaye de se connecter ou toi-même. Tu reçois sur ton téléphone, hein, veux-tu te connecter et Tu fais oui. Ouais. Alors, en fait, c'est un des moyens les plus safe pour éviter euh, le phishing et le piratage, enfin, le, surtout okay. euh, l'accès aux données. Et euh, ben, là encore, un hein, travail avec Renault. Euh, ben, de toute façon, j'avais dit sur mon site, il y en a beaucoup. Euh, et donc euh, voilà. Euh, ce, pour ceux qui regardent là, il euh, y a des chouettes. Euh, J'aime bien. Il y a des chouettes dynamiques. J'aime beaucoup les dynamiques de transition dans ces plans-là, de celui-là au suivant aussi. Combien ça vous prend de temps de bosser sur un projet comme ça euh, C'est euh, c'est dur à dire. J'irai euh, pour celui-ci euh, trois semaines, même s'il faut reconnaître ouais, que. Ah c'est rapide. Ouais, mais il faut reconnaître que les trois semaines étaient vachement serrées. Ça incluait les week-ends. Ok, trois, ça... semaines trois semaines qui piquent. Trois euh... semaines qui piquent. Parfois, c'est ça qui est bien avec les projets personnels c'est qu'ils permettent de, de, de dormir sur un plan, euh, sur une anime, et de revenir dessus et d'y voir tous les défauts. Maintenant, pour le client, il bah, y avait une deadline il y avait un budget. Ça a été fait en trois semaines. Mais. Euh... Cool, Mais hein. sinon, oui, globalement, on va dire qu'un projet euh, par minute, je dirais qu'il y a deux semaines euh, d'animation. Donc il faut, faut aussi prendre en compte la partie euh, pré-prod. Euh, je, si j'arrive je si à faire euh, 10 secondes d'anime en une journée, c'est juste incroyable. C'est énorme, 10 secondes d'anime en une journée. Mais ça dépend... Des, en fait, c'est ça le truc, c'est que ça dépend de la complexité. Si on a juste un chat qui saute sur un téléphone... Euh, et que l'anime dure 5 secondes, je ne vais pas prendre la journée pour faire celui-là. Mais par contre, si on a un setup avec une caméra, euh, de la parallaxe, euh, des personnages euh, qui font. Enfin, voilà, 5 secondes, euh, les 5 les mêmes secondes n'auront pas le même temps de travail. Ouais. Donc, c'est donc ça aussi parfois avec le client. Euh, parfois, c'est important de connaître. Ah, putain, encore une citation de Renault, pardon pour le pour le mot. <laughs> Euh, mais <laughs> allez, voir son, allez voir le live qu'il a oui, fait. Allez sur voir Adobe le live, c'était et, cool. Et puis revenez voir le, le récap. Euh, non, mais voilà, c'est important de connaître le budget de son client, savoir ce qu'il a en tête, parce qu'en fait, un projet peut se faire dans beaucoup de budgets différents, et on va juste retirer, dans nos curseurs, on va venir retirer de la complexité pour tenir la deadline et le budget. Donc, euh... Oui, carrément. Et puis des fois, on a tendance à vouloir faire... Euh... Beaucoup mieux, à se perdre un peu dans les détails. Et puis finalement, quand on regarde, on n'est est plus payé pour ça. Donc, c'est ça, c'est pour trouver l'équilibre. Ouais, c'est peut-être là où moi, je suis un allez, un défenseur, pas, pas un défenseur, mais c'est juste que je l'applique comme ça, euh, du budget-enveloppe. Euh, ouais. Une fois que tu as trouvé le budget du client et le budget idéal, euh, quand tu te mets en budget-enveloppe, euh, tu, tu t'autorises. Enfin, je, je trouve personnellement, si le budget est convenable, tu t'autorises des jours extra. Ouais. Tandis, tandis que je, je trouve ça assez malsain d'avoir un, un, d'être payé à la journée, ouais, parce ouais, que je vrai. trouve que ça ne privilégie pas du tout ni la qualité ni ni, ni, ni le temps de travail nécessaire. Donc, c'est quoi euh, Si je travaille plus vite, tu me payes moins. Mais si je mets plus de temps, tu me payes plus. Donc, je suis je suis payé plus à attendre et à travailler mmh. lentement. Enfin, en oui, tu tout... oui, as raison. Oui, c'est sur... clair. Là, faut... Enveloppe mieux. Et puis, en plus, le bonus client relou, moi, j'ajoute 20 Ah <laughs> oui. Vous voyez, Ça... sympa. Vous y penser aussi. <laughs> bon, suis... on n'a que des clients merveilleux, mais en vrai, des fois, quand on sent qu'il va y avoir des retours et tout, ouais. on peut l'anticiper aussi, quoi. Oui, tout à fait. Bah, les, les étapes de validation sont hyper importantes. Euh... Avec Renault, on essaye surtout de ne jamais passer en anime avant que tout le reste d'avant soit validé. Okay. Avant, avant que, que les élus soient validés, euh, moi j'aime bien avoir une VO aussi. Euh, j'aime bien avoir la VO avec des timings plus ou moins def euh, quand je commence à faire une animatique, si, la, si le budget permet de passer par l'animatique. C'est ça aussi qui est difficile avec les, les productions. Euh, C'est que c'est que s'il n'y a pas le temps nécessaire en préproduction, c'est souvent compliqué derrière. On a du mal okay. à rattraper une mauvaise pré-prod. D'accord. Donc il faut mieux euh... soigner toutes les étapes en amont. Ouais. que euh, ramasser les pots cassés. Euh... Ouais. Ben, enfin, en tout cas, euh, d'expérience, c'est ce qui a toujours le mieux payé. Euh, et, et pareil, en tant, en tant qu'animateur, euh, c'est souvent plus facile pour moi de discuter avec Renault d'une... Première version, je dis Renaud, hein, mais <laughs> dans tous ces travaux-là, en tout cas, euh, d'avoir une première version euh, sur laquelle on se met d'accord sur l'anime et tout ça avant que je parte en animation. C'est vrai que c'est un truc, c'est un défaut que j'ai. J'ai tendance à vouloir me précipiter à animer parce que j'ai trop bah, hâte. Ça voir donne ça envie, ouais, c'est Oui. Et en fait, euh, ben derrière, il y a, y a quand même... Il y a, y a déjà eu une réflexion de la part de l'illustrateur. Donc, euh, c'est important de, de comprendre son intention de, de qu'est-ce qu'il a voulu mettre dans son dans son ilu et, euh, et voilà un projet qui est pas de Renault Ouh <laughs> qui n'est pas avec Renault euh, la direction est faite d'une c'est Shotopop c'est un studio euh, euh, londonien je pense euh, qui font beaucoup d'animes tradis et là il euh, y a une illustratrice chez elle euh, chez eux euh, qui a qui a fait euh, en fait des c'est un projet que j'aime bien parce que c'est un artiste qui a sorti son premier album. Il a mis dix ans à faire cet album. Ok. Euh, et un en fait, du coup. un musicien, ouais. Et il est arrivé avec, euh, je pense 13 ou 12 élus. Euh, je n'ai pas compté, mais euh, et en fait c'est une élue par track. Une élue par. Euh... Ouais, ouais. Et donc le, la pochette c'est euh, la combinaison de, de toutes les tracks. Et c'est moi ça m'a pris euh, ça m'a assez. Euh... Ça m'a tout de suite emballé parce que tu sens qu'il y a une vraie histoire derrière chaque situation. Ce téléphone n'est pas anodin, ça reflète quelque chose. Euh, J'aimais bien le projet et puis, et puis du coup, ça m'a permis de galérer ah, à fond une idée, hein. sur une marche de quadripède ouais. <laughs> Je vais passer à la suivante. Celle-là est un peu simple. Bah, voilà, après des, des, des loops comme ça, je... Je, tiens, je tiens juste à dire que. Euh, à la base, moi, j'avais fait une proposition de tout en noir et blanc. Euh, okay. Finalement, il y a eu quand même eu des couleurs qui ont été demandées et imposées. Euh, J'aurais pu mettre les versions noire et blanche. C'était pour mieux différencier les tracks, mais euh, mais voilà, j'aime bien celle-là. J'aime bien. Euh... C'est cool, c'est une bonne idée. Hein. Et après, eux, ils vont ils vont en faire quoi ils, Ça va être partagé comment Aucune idée. Euh... Il m'a remercié 12 000 fois. Euh... Je me demande, je sais pas. En vrai, je sais pas. Peut-être peut sur son Vimeo, son Insta, mais je, il me semble pas qu'il ait partagé, à part en story, il me semble pas qu'il ait partagé beaucoup les, les illustrations. Ouais, des fois en clip YouTube. Ouais, mais même j'ai fourni des formats carrés. Une loupe, euh... ouais. Voilà. Ok. Euh, Peut-être faire un petit tour sur Insta. Euh, je regarde si j'ai rien de très cool. Ça, c'est des projets qu'on a déjà vus. Oui, j'ai reconnu celle-là. C'était très chouette à faire. Donc voilà, sur mon Insta, j'ai des, des, des autres trucs avec Renault. Est-ce que tu dessines, toi, ou euh, vraiment c'est l'animation oui. de ton truc Non, je dessine. J'adore dessiner. <laughs> mais, euh, mais voilà, je n'ai pas. Euh, euh, comment dire Je suis très critique envers mon dessin. Euh... Tu partages Donc... un petit peu tes dessins, vraiment ou... Non, je peux vous oh, montrer mais un non, tout petit bah, peu. Bah, c'est toi qui. Je veux pas te forcer. En fait, ouais, c'est même. C'est même pas spécialement mon dessin parce que ça, c'est un ami qui a sketché un. En fait, je vais parler de ce projet. Je fais aussi du videoing en fait sur le côté. Ok. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est le Ben Vous avez eu Jordan il y a pas longtemps, dans je pense, en attendant Motion Plus. Ah oui, c'est Franck qui l'a reçu, je pense. ouais et lui aussi, ah, bah tiens, il... la petite transition merveilleuse. Thomas qui pose la question on sent une influence VJing dans tes loups <laughs> Ok, merci Thomas. <laughs> il voulait lancer le sujet. Ah, ça sent le je... je vais montrer un peu des... deux, trois trucs. Euh... En fait, ce qui est super cool euh... avec le VJing, pour moi, c'est que je connecte. Euh... C'est une page secrète. N'y allez pas. N'y allez pas vraiment sur mobile, ouais. n'y allez pas parce que ça vous bouffe 30 mégas en une seconde de data. Euh, euh, le VJing me permet de, 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 de retrouver l'instantanéité de l'animation. Euh, le VJing, c'est passer des visuels en live très souvent en calé sur une musique. Et, euh, et moi, je fais toute une approche de comme un DJ va euh, essayer d'harmoniser une transition entre deux, deux tracks en ajustant le BPM. Bien moi, j'adore euh, euh, dans le VJing cette possibilité de synchroniser ton animation en live avec une musique qui est passée instantanément. Ok. Euh, du coup, ça, c'est mon, mon laboratoire de recherche. Euh, ah, c'est trop bien il ouais, y a des illustrations euh, je, fais, je fais des illustrations euh, il y en a plusieurs, dont, dont celle-là par exemple euh, l'illustration a été faite euh, par mon, mon binôme dans ce projet-là en, en duo, on est deux et on est deux en live et on est deux à la conception du set, à la réflexion euh, bah tiens voilà ici j'ai en, en, en gif 64 couleurs ça c'est un <laughs> peu l'ambiance euh, des soirées qu'on qu anime cool. euh, et du coup attends, parce que j'avais déjà vu du vjing, mais par contre, je sais qu'ils avaient des éléments qu'ils assemblaient pendant le truc. Est-ce que toi, si tu fonctionnes comme ça ou tu crées vraiment des animes Alors. Euh... Comment ça se passe en fait Ouais, bah, je obscur, pourrais, je, je pourrais expliquer ma démarche euh, ouais. parce que je sais qu'il y, y a plusieurs programmes pour faire du vjing. Vjing, il y a du. Je ne vais pas trop parler du vjing, ça vous dérange pas comme ça non, je non, non, est... Il, il est déjà 30, mais euh, je vais. Euh... Oui, moi j'ai plein de questions existentielles. Attends, mais je vais, je vais vite expliquer. Je vais essayer de faire concis. Euh, je, vais, je vais juste mettre comment j'avais appelé ça, je pense, une autre page secrète avec un, une meilleure résolution. Ça va charger. Euh, donc en gros, le VJing, il y a plusieurs approches, soit on se contente de diffuser une vidéo sur de la musique, soit on essaie d'avoir une approche de composition, à savoir assembler des éléments ensemble afin de, de créer un tableau. Ce, okay. ce tableau étant modulable, on pourrait par exemple le complexifier lorsque la musique a des nappes sonores qui se chevauchent, tout comme le simplifier en ouverture d'un morceau qui commencerait doucement. Euh, moi, j'aime l'approche euh, tableau-composition créée. Maintenant, je m'en rends compte que ça a quand même des, des gros défauts, à savoir qu'on a souvent l'impression que certains éléments se combinent mieux ensemble. Donc, au final, on se retrouve quand même avec des compositions en tableau. Euh, je crois que chacun a son approche du vijing. Comme je le fais en autodidacte, il euh, n'y a pas euh, beaucoup de, il euh, n'y a pas énormément de, de tutos ou une grosse communauté, on va dire. Euh, je veux dire. Il n'y a, a pas, par exemple, de stream sur Twitch de vidjing avec des gens qui, qui expliquent ce qu'ils font. Bah, vas-y, il y a un truc à faire. Il <laughs> y a peut-être un truc <laughs> à faire. Bah, ça pourrait être kiffant. Après, moi, j'aimerais beaucoup montrer plutôt euh, la façon dont je crée mes, mes boucles plutôt que le vidjing en tant que ouais. tel. Parce que je trouve que, que c'est quand même hyper scénique, le vidjing. Ouais. Euh, c'est intéressant de le voir en live, en grand. C'est chouette aussi d'avoir une, une grosse projection. Euh, j'en profite, hein, je parle, je monte des loupes. Oui, euh, ouais, carrément. C'est qu ce qu'on est en train de voir. Attends, je regarde les, ouais. je regarde les questions, j'ai vu des questions passer. Euh, j'ai une question de Nico qui dit, as-tu déjà pensé à faire de l'animation de fiction en format plus long ouais, C'est intéressant. En format plus long, ouais, ça veut dire euh, ouais, une production lourde. Euh... Ouais. Ouais. Je, je dirais non, j'y ai pas pensé parce que... Je je crois que ça impliquerait euh, un trop gros sacrifice. Euh, après, ça ne me dérange pas d'être impliqué dans une production de court métrage. Euh, mais avoir une démarche de, comment dire, de porteur de projet sur, un, sur quelque chose comme ça, euh, je, pas, pas à l'heure actuelle. Je pense pas pouvoir me permettre de, de passer autant de temps. Euh. Après, il euh, y a peut-être un ou deux projets secrets euh, qui vont arriver bientôt. Mais euh, à, à titre personnel, seul lancer ça, non. Entouré, bien entouré, oui. Mais euh, seul, euh, je ne prendrai pas le risque. Ouais. Trop peur que ça ne se termine jamais, en fait. Euh, ouais, que le projet des... ne sorte pas. C'est et... interminable. Ouais. C'est hyper long, euh, l'animation. Bon, hum. je vais faire un peu de bien J'ai une question de Zaza qui demande euh, « Bonjour, les illustrations sont faites sur Illustrator ?» Et pour l'animation et les transitions et tout ça, c'est quel logiciel Ah bah tiens, on allait en on va, va peut-être peut en parler un peu plus tard, c'est toi qui décides, mais. Euh, bah, pour vite répondre, comme ça on n'oublie pas la réponse. Ouais. Euh, Renault utilise Photoshop. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup en tant qu'animateur, c'est euh, en tant que motion designer, c'est d'avoir réussi à, à combiner des euh, avoir combiné un une mixité dans l'approche de l'animation. Donc, je travaille aussi bien sur du bitmap, donc ça veut dire du, du pixel, que sur du vectoriel, à savoir du Illustrator. Il y a quand même beaucoup de fois où je dois euh, trouver le juste équilibre. Euh, il y a certains morphings qui sont clairement beaucoup plus évidents en, en vectoriel qu'en bitmap. Mais euh, parfois, le bitmap euh, apporte ce grain ou cette texture. Euh, je dirais, je dirais que encore une fois, l'illustration me donne un peu les clés de Comment, euh, comment approcher l'anime euh, okay. C'est quand même ça, c'est un condensé du vieux projet. Il y a beaucoup de trucs de Renault. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'animes euh, euh, Pom Ouais, il y, a, il y a des petites loops. <laughs> ça lâche ses renaults beaucoup. Ouais, il l'utilise il l'utilise beaucoup en photo de profil et tout ça. J'aime bien aussi. Ouais, c'est un peu vieux ça commence à être vieux. Tellement je je t'ai parlé des euh, trois, ans, trois ans plus tard regarder son travail c'est. <laughs> oui est-ce que tu toi tu sens que ça commence à être daté comment tu sens que c'est vieux. Euh, bah, bah, par exemple euh, si si je devais refaire celui-ci. Euh, moi je dirais que les timings euh, on sent que l'animation elle est un peu. Euh, euh, si on devait parler de dynamique la dynamique est un peu constante il euh, n'y a pas de grosse cassure euh, à l'opposé de par exemple ici, celui-ci que j'aime beaucoup parce que les timings varient un peu il y a, y a à la fois du lent, du rapide euh, j'aime beaucoup plus cette dynamique là maintenant je pense que j'approcherai un projet comme celui-là que celui-ci avec des, avec des mouvements plus 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 assumé, plus okay. ferme, passage d'une position à l'autre, peut-être plus rapide. Euh, avant, j'aimais beaucoup qu'on voit le mouvement, et en fait maintenant, euh, j'ai tendance à vouloir le, voir le mouvement le moins possible, d'essayer euh, le cerveau euh, créer la transition. Ok, c'est intéressant. Euh, ouais, ben c'est plus aussi dans l'air du temps parce que je trouve que l'animation traditionnelle est en train de, de vraiment euh, euh, apporter une qualité, enfin. Euh, ah, elle a trouvé ses lettres de noblesse dans les productions motion actuelles. Euh, L'animation traditionnelle a toujours été incroyable mais là maintenant euh, je trouve que les timings d'animation traditionnelle sont devenus un standard. Je dirais ça un peu en, en analogie euh, je dirais on est passé du flat icône euh, par rapport à du graphisme à des choses très texturées avec beaucoup de gradients. Euh, c'est vraiment cette, euh, cette ce côté arty, cette, cette complexité rajoutée euh, enfin je dis complexité mais pour l'anime tradit c'est compliqué dans l'approche mais le résultat est assez simple à regarder c'est ça qui est ça qui est puissant et beau plus de subtilité il y a plus de liberté en fait euh, moi je f... ouais, parfois dans... donc euh, pour répondre à la question j'ai pas oublié ça me tilt euh, j'ai euh, j'utilise After Effects pour animer euh, et, euh, et ça a pour désavantage de quand même fort euh, amener la réflexion dans un seul sens. Et parfois, ce n'est pas le sens de l'animation qui prévaut, c'est le sens de la technique. Et peut-être que là, maintenant, je suis un peu arrivé à un moment de ma, ma carrière où, où je stagne à ce niveau-là. Je sens que je suis un peu. Euh, genre, euh, je sais faire beaucoup de choses dans After Effects. Mais je, je ne sors toujours pas de mon carcan euh, qui, qui, me, qui me rend euh, dépendant du programme. Et je pense que l'animation traditionnelle est très certainement la, la prochaine étape okay. pour, euh, pour en sortir. Rien, rien que, si ce n'est rien que pour la, la rapidité, euh, pour montrer des choses, esquisser des animations. C'est une discussion que j'ai eue avec Renaud, euh, bah, pas plus tard qu'hier, sur, euh, sur l'importance de de pouvoir euh, montrer euh, l'intention de l'animateur avant de montrer l'animation en tant que telle. Okay. Et, et ça, en Super anime tradis. je trouve des ça. Rapide. Animatiques en Ouais, en sketch, par exemple, ouais, en, en et il euh, y a un gain de temps énorme. Ok. Euh, Est-ce que tu as essayé Animate ben, Ce serait sur Animate. En tout cas, moi, je pense faire euh, de l'anime tradis de manière euh, toujours en rough et en sketch. Euh, ce serait dans Animate. Euh, J'ai un... un un goal de, de vidéo-tutoriel que j'aimerais beau, beaucoup suivre euh, dès, dès que j'ai du temps. C'est un peu mon, mon truc du moment, dès que j'ai du temps. Mais euh, non, ce sera carrément dans Animate. Après, euh, dépendant de mon niveau d'implication dans, dans la colorisation et tout ça, ce sera peut-être euh, euh, du Photoshop pour le clean, mais euh, pour l'animation en tant que telle, ce sera Animate. J'ai l'impression okay. que c'est exactement ce qu'il me faut, un truc euh, tout simple. Euh, ou sur trois touches, ma main sur le clavier, sur trois touches, je, 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 je fais toute la navigation au clavier et tout le reste, c'est que du dessin, quoi. Ok. C'est intéressant, c'est intéressant du coup de, de voir comment tu cherches à évoluer. Ouais. Euh, alors, une, une petite ah. remarque de l'étam qui dit euh, La pixelisation de l'URL rend la page secrète toujours secrète. Et il demande est-ce qu'on peut avoir le groupe de musique euh, le... Oui. Voilà. Pour lequel oui. tu fais du du Vidding, oui. Euh, alors donc je, je rappelle, en Vidding on est deux, on est deux en live, on est deux derrière les derrière les pads. D'ailleurs j'en ai un ici. Euh, on est deux en live et on accompagne un, un artiste musical qui s'appelle euh, Squaw Machine. Donc on utilise euh, ce genre de ce genre de truc. Ça c'est pour tous nos effets. Euh, on n'utilise pas du tout ça, parce qu'on n'a pas okay. très effet, mais on utilise euh, cette rangée-ci. Et, euh, et euh, oh, genre, on n'utilise même pas cette rangée-ci, <laughs> on n'utilise pas ces boutons-là. Ils sont là, hein, ils sont bien, mais on n'utilise que, que, que les faders. Ah. Et, euh, et euh, donc là-dessus, il y a des effets. Euh, on parlait pas de ça. Ah oui, l'artiste Sko Machine, euh, alors bah, c'est une rencontre euh, qui s'est faite euh, ici en Belgique, euh, sur Bruxelles. Et euh, ce, qui est, ce qui est super avec son approche, c'est qu'il fait tout en live. Donc, euh, il mixe pas du tout. Euh, il a toutes ses machines autour de lui. Il s'entoure de, de keyboards et de, euh, de parfois euh, d'ustensiles de périphériques comme celui-ci. Et, euh, et il fait sa musique en live. Euh, il a bien sûr évidemment un, un petit Mac d'ouvert euh, avec son programme de son. Mais euh, et donc c'est hyper organique. Et nous, dans notre approche du VJing, on n'aime pas avoir juste faire play et le set se lance. On aime bien venir jouer, euh, euh, créer les surprises, et donc on se greffe organiquement à son approche de la musique. Donc, s'il change le tempo, c'est pas grave, on s'adapte. Euh, et j'avais mis une petite dis description euh, que j'avais reprise sur son SoundCloud. Euh, il dit se trouver à la, à la frontière entre un, un disco club et euh, un rite chamanique en forêt. C'est drôle. Et, euh, et bah, bah, moi, je trouve que c'est ce qui définit bien son style. Ouais. Euh, c'est très dansant, c'est très dense. Et en même temps, il y a énormément de sonorités euh, qui sont euh, euh, ethniques et, euh, et qui, qui font le tour du monde. Et j'aime beaucoup euh, cette combinaison. Je trouve il euh, y a une approche un peu euh, euh, subtrack ou, ou fakir euh, aussi. Je trouve il y a un petit peu ce côté euh, la, la world qui s'insère. La world music, j'aime pas le terme mais on va dire euh, les musiques du monde ethnique euh, qui s'intègrent dans l'électro. Et donc, voilà. Et ça, co ça correspondait bien au délire visuel aussi qu'on avait, euh, qui était un truc euh, euh, avec des, des petits bonhommes euh, qui dansent. Ils ne sont pas du tout euh, codifiés euh, d'une région du monde. C'est vraiment une, juste une appropriation de plein de cultures dans des personnages. Où, voilà. C'est un peu sa musique et nos visuels. On matche bien ensemble. Et sa musique est très cool. Ouais. Trop bien. Eh bah, bien, écoute... Euh... Est-ce qu'on passerait dans After Effects Eh ben voilà, c'est ce que j'allais te, te dire. Mmh. Mmh. Et grand plaisir. Alors, ben, euh, j'ai demandé à mon ami Renaud, le compteur de Renaud doit être à 23, euh, ouais, de, me 23 faire à un, de me faire un, une petite ilu euh, pour, pour préparer ce live. Alors, j'ai pas mal tourné autour... Euh, autour de l'approche pour démarrer. Donc, je suis pas très loin. Je suis encore au début, euh, mais euh, je vais vous montrer peut-être l'animatique euh, euh, hyper rough. Donc, c'est-à-dire, j'ai pris ces PSD, il y a encore toutes les shadows qu'il avait mis dessus, euh, voilà. Mais c'est pour montrer un petit peu comment je construis le projet. Euh, j'ai commencé euh, très mal. Euh, j'ai commencé avec euh, de l'anime, et en fait, euh, pour moi, euh, commencer avec l'anime, ça a été un défaut parce que, parce qu'en effet, en discutant avec Renault euh, c'était pas fun ce que j'ai fait. On voit tous les petits contrôleurs ici. Ceux qui ne connaissent pas After Effects, c'est mon environnement de travail en, en HD. Parce que oui, pour Steam, alors du coup, c'est... Ne prenez pas peur de cet écran qui a toutes les fenêtres ouvertes. En fait, c'est parce que tu as un écran euh, extra, extra large et on ouais. a un peu rétréci pour le live. C'est ça. Donc, énormément euh, de choses. Euh, donc, du coup, ça, c'est euh, ma première approche. Et en fait, je pense que... Mon défaut, c'est de rentrer dans l'animation euh, tête baissée. Et c'est peut-être aussi parce que j'ai une impatience incroyable une fois que j'ai setupé un projet, de voir comment il bouge. Donc j'avais fait euh, cette petite euh, anime euh, avant même de réfléchir à, à l'intégralité du projet. OK. Et donc euh, c'est bien que vous le voyez comme ça, parce que ça, le mouvement est un peu lent. J'avais fait ces petits trucs comme ça, euh, petite apparition. Et puis, euh, et puis, en fait, je suis passé sur une animatique et ça a un peu débloqué pas mal de trucs. Donc, voici l'animatique euh, de ce qu'on va faire maintenant. Ah, oui, c'est pas du tout pareil. Non, il y a quand même beaucoup de timing qui, qui ont changé euh, pour un bien, je trouve. Et. Euh... Trop cool. Voilà. Voilà. Et donc je vous propose peut-être d'avancer dedans. Oui carrément. J'ai une question de Nico VR. Mm -hmm. je demande est-ce que tu es intéressé pour bosser avec d'autres artistes Mais tous les jours. <laughs> Et euh... c'est marrant, c'est vraiment tous mes amis. Euh, ça fait plaisir. Euh, bah oui, euh, bah, bah, je pense que les meilleurs projets que j'ai montrés, là j'ai montré euh, quand je montrais le, le gars dans l'espace et tout ça, c'est des collaborations artistiques, avec, euh, souvent avec des musiciens. Je trouve que c'est vraiment le... Personnellement, la musique, c'est le domaine qui fit le mieux avec l'animation, selon moi. Euh, moi, ça m'inspire énormément d'avoir une musique, ça m'inspire tellement plus qu'une VO, euh, parce que la musique a son rythme, et c'est intéressant en tant qu'animateur de se caler sur ce rythme-là. D'ailleurs, parfois, je fais même le même procédé euh, sur celle-ci aussi. J'ai mis une musique. Euh, je là, je l'ai retirée. Mais je mets toujours une musique pour, euh, pour avoir un mood. Euh. OK. Donc là, j'ai un petit peu retravaillé. Donc, euh, euh, bah, pour répondre à la question, oui, euh, travailler avec d'autres artistes, c'est hyper intéressant. Qu'ils soient illustrateurs ou musiciens, euh, je crois que je vais avoir du mal à travailler avec un potier. Mais euh, on peut essayer... Hey, on, sait jamais. on a reçu des gens. Euh... <laughs> on a reçu quelqu'un qui faisait de la céramique, et un illustrateur qui faisait ses illustrations en, en poterie. C'est cool. Ben euh, ouais, vrai, à fond. Tout à arrive. fond. Ben, si la timeline, c'est un peu un, 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 un plan de travail tournant, euh, ouais, il y a, y, a, y a une notion de... Tout est possible. De, de, de rythme et de vitesse. Donc voilà, j'ai un peu re recréé cette, euh, cette entrée. Euh, ce que j'aime beaucoup, c'est la surprise d'avoir l'élément qui est paraît en dessous et qui hop instantanément jump en une frame sur le dessus euh, je parlais justement d'éviter d'avoir euh, des mouvements trop souples et trop réguliers euh, j'aime bien ce petit, euh, ce petit euh, jump cut j'aime bien aussi euh, la boule qui est ici une fois au dessus puis qu'après ici elle vient en dessous et puis elle vient hop se positionner en dessous de la cassette, le petit rebond est sympa. Ce que j'aimerais faire, par contre, c'est travailler ce... travailler ce crayon pour qu'il fasse un chouette mouvement de venir se positionner ici sur la cassette. Je vais un peu okay. me rapprocher, je vais un peu éloigner le micro. N'hésitez pas à dire si vous m'entendez moins bien. Non, c'est pas mal. Euh, du coup, on va essayer de lui faire faire un chouette mouvement pour pas qu'il vienne par le dessus comme ça. Euh, J'avais fait un salto au début, euh, mais si on revient sur l'animatique. J'ai mis derrière. J'avais travaillé un salto. Maintenant, le problème du salto, c'est qu'il le fait deux fois en fait. Après, il refait un salto ici. Et donc, je suis venu avec l'approche euh, comme on est un peu dans la vibe euh, un peu euh, années 90 pour mes amis. Euh, ce qui est intéressant, c'est d'avoir euh, euh, des références au maximum à ça. Et je trouvais que le, le hand spinning, euh, faire tourner son crayon, j'ai l'impression que c'est un truc qui est. Euh, qu Ouais. Qui se faisait beaucoup dans les années 90 parce qu'on n'avait on pas tous la Game Boy. Et donc non, mais coup, je crois euh, que j'ai vu mes, mes petites nièces faire ça que... et c'est des, des milléniaux, tu vois. Ah ouais ça en... Mais ouais, ouais. Je, la, je la vois faire ça tout le temps. Je crois qu'à partir du moment où tu es en cours et que tu t'ennuies. Euh... Ah, mais c'est super Par contre, euh, je, je connais qu'une personne <laughs> qui le fait super bien. Tous les ah bah autres, ils oui, mais... se contentent de faire tourner sur le pouce, là. Mais il y en a un, euh, un ami. Euh... <laughs> si, si, j'ai vu mes petites nièces euh, faire des compètes de ça. Eh ben, je suis très content que ça revienne à la mode. Voilà. Donc, voilà, on va essayer de faire bouger ça aussi bien qu'un hand spinning. Euh, et donc, du coup, je vais essayer de chercher un chouette mouvement, peut-être horizontal. Euh, et D'avoir peut-être ici, peut-être déjà ici, il pourrait déjà avoir, à peu près, amorcé son mouvement. En fait. Déjà là, on entend. J'ai une question de Thomas ouais. qui demande est-ce que c'est facile et intuitif de passer d'un fichier Photoshop ou Illustrator à une compo sur After ou ça demande un petit peu de gymnastique Non, carrément pas. Euh, c'est, enfin, pour moi, c'est la plus grosse force de la suite Adobe. Je suis pas du tout là pour euh, lancer des fleurs. C'est juste des programmes que j'utilise depuis euh, depuis euh, plus de dix ans maintenant. Euh, c'est la grande force, c'est la complémentarité de chaque programme entre eux. Euh, donc là, je passe euh, super bien. De euh, bon, là, on est on est sur des chez players, mais euh, euh, je passe de Photoshop à After Effects instantanément et je récupère tout, euh, tout découpé. Tout... Un projet bien préparé dans Photoshop est immédiatement prêt euh, pour l'animation dans dans After Effects. Après, bien okay. sûr, il faut il faut riguer tout ça, mais c'est à grande force. Et en plus, maintenant, il y a des. Là, je fais un petit peu didactique, mais il y a des passerelles qui existent entre euh, Illustrator et After Effects qui permettent ouais. euh, une plus oui, il y a un grande Oui, un plugin. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais euh... ouais, Overlord. Euh... Oui, c'est ça qui est un plugin payant mais qui, qui te le rendra qui te fera un gain de temps énorme et qui permet vraiment alors là de passer d'un programme à l'autre instantanément et euh, uh -huh. ouais. si si c'est la grande force de, de, de la suite Adobe euh, après j'ai quelques questions sur animate alors je sais pas si tu t'y connais en animate euh, est-ce qu'on peut ajouter du son sur animate oui bien sûr et est-ce que animate est comparable à Toon Boom ou TVPend euh... Alors, si tu as pas la réponse, je tente. Non, pas. je dirais plus euh, je connais un peu les programmes. Mais je les connais okay. d'il y, y a cinq ans quand je m'étais intéressé. Je suis jamais vraiment rentré dedans pour faire un projet, euh, un projet client. Euh, en fait, je remarque c'est hyper difficile de parler. Je savais que l'exercice allait être dur. T as vu, c'est dur d'avoir les. Ouais, c'est hyper qui dur. Quand même hyper ça. dur. <laughs> euh, en plus, tous, tous mes trucs sont tout petits. Et tout. Euh, Ouais, donc euh, euh, ben, euh, pour faire court parce que je m'y connais pas assez, mais c'est juste pour euh, donner un angle de recherche. Euh, je dirais, que TV Paint s'approche très fort euh, de, de Photoshop, avec la dimension possible de mettre des caméras en 2 D et demi. C'est super compliqué d'expliquer. En plus, je dois réfléchir. C'est pas. Des... On va peut-être éviter ce domaine de questions. Parce que okay. bon, bref. Et okay. Toonboon par contre, ils ont vraiment beaucoup de, ils ont énormément de d'outils. Euh et qui, qui permettent de faire du rigging, euh, de, 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 de pouvoir faire de, de, de l'after-effect un petit peu comme ça avec des caméras ouais. et tout ça. Mais, euh, mais j'ai l'impression que c'est des programmes quand même où, où tu restes dans le programme. Quoi. C est, c est, oui, c'est difficile d'avoir un gars dans Photoshop qui a fait son truc. Je, ça, les passerelles, je les connais moins bien, mais j'ai l'impression okay. que c'est quand même tout fait dans le programme. Après, ce qui est sympa aussi, attends, juste ça, ce qui est sympa avec ces programmes, c'est que ça a été les premiers à combiner... Euh, frame by frame et gestion de rigging et de caméra. Et personnellement, si je pouvais demander un truc pour intégrer dans After Effects, ce serait peut-être ça, cette passerelle évidente avec l'animation en frame by frame. Alors, il y a des plugins qui existent, mais je me demande s'il n'y aurait pas un gain de temps assez rapide. Voilà. C'est Franck qui est la star de la technique, tu aurais okay. sûrement répondu à tes questions. Moi, j'observe et je suis juste euh, ébahie, tu vois. Je suis là, waouh, ouais, c'est trop fort! Mmh. <laughs> mais ouais, on, tu peux en pouvoir faire monter les, les questions, tu vois. Mmh. Parce qu'il t'aurait dit, euh, mais oui, ça existe, regarde, tu cliques là et c'est bon. <laughs> ah ouais, d'accord. Bah, ouais, en, en, ouais. en même temps, on. En fait, ce serait, ce serait un peu compliqué. Je comprends que l'approche, euh, ce soit d'amener un, un... Il faut les outils de layer, il faut les outils de, de, de pinceau et tout ça. Et, tout existe dans After Effects, mais pas aussi bien que dans un Animate ou dans un Photoshop. Peut-être, peut euh, Écoute, comme je t'ai dit, je dois suivre les tutoriels euh, de formation à Animate et, et je, je répondrai ça bientôt. à ça bientôt. Allez, dans la bucket list. J'espère. Bon, alors, je, je, je galère un peu. Donc, euh, je galère oui, un je, peu. Te, je te laisse tranquille, je laisse ton, ton cerveau tranquille. Euh, je t'invite un peu sur un seul truc. À peut-être prendre des questions du chat et, et discuter avec eux. Alors, bah, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu es en train de faire Oui. Euh, bah donc, en fait, là, ce que j'aimerais bien faire, c'est euh, j'aimerais amorcer euh, la rotation. En fait, j'aimerais créer un jump cut ici, entre le crayon qui, qui passerait d'en dessous, dessous au-dessus, mais peut-être essayer de garder un, un chouette mouvement dans la rotation. Euh, et j'aimerais beaucoup euh, peut-être qu'ils viennent... Tu vois la mine du crayon J'aimerais qu'elle vienne se mettre dans le trou formé par le, par le tape. Euh, donc c'est une mixtape. Et donc là, c'est le, le ruban magnétique, ouais. la bande magnétique. Et j'aimerais que ça vienne se mettre harmonieusement dedans. Mais le problème que je suis en train de me dire, c'est que je ne peux pas garder une super hauteur. Il faudrait ah, qu que je descende plus bas ou alors que son mouvement soit plus tard. Je vais un peu voir ce que ça donne. J'ai une question existentielle. Mmh. Pourquoi il y a un effet de 3D sur le crayon Comment ça marche ouais, Parce que toi, en fait... tu, tu passes d'un Photoshop <laughs> à un crayon qui est en 3D là. Oui, en fait, ça, peut -être, euh, ça a peut-être peut surpris des gens. En fait, euh, en fait ce que j'adore, c'est. Euh, je parlais de Toon Boon, qui, malheureusement, fait que tu ne sors pas trop du programme, mais je vais dire exactement la même chose d'After. J'aime bien avoir euh, un peu mon environnement dans After avec tous mes contrôleurs. Et du coup, j'ai euh, des objets 3D avec des contrôleurs dans After. Euh, mes objets 3D étant euh, ici la cassette et le, et le crayon. Alors, comment okay. j'ai fait ça Ce n'est pas, pas évident. Déjà, il faut un plugin euh, qui permet de passer de, euh, de la 3D à After, d'intégrer de, de la 3D dans After. Il y a des passerelles qui existent avec Cinema 4D, mais ce que j'aime beaucoup ici, ouais. c'est que j'ai vraiment un contrôleur où je viens animer euh, la rotation de mon crayon. Mais oui, c'est ce que je, 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 depuis tout à l'heure, j'étais là, attends, j'ai le cerveau cassé ou euh, il est vraiment en 3D ce crayon Oui. Et, euh, et donc, pour, 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 pour dire les termes. Euh, c'est LMN 3D qui me permet de faire une passerelle entre des fichiers C4D et euh, des contrôleurs dans After Effects qui me permet de gérer euh, la rotation, la position de ces, ces mêmes objets 3D. Okay. Et, euh, et je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Avant, j'étais je, je, dans la logique, euh, je vais essayer de fakeer la 3D le mieux possible, et en fait, je me rends compte que c'est tellement plus facile, euh, je, je modélise, bah, si vous voulez, je peux, je peux montrer un petit peu. Euh, tototot, il est où ont, du coup il tu... y a un renault qui t'envoie des illustrations dans photoshop que tu ouvres dans ces 4D pour les faire en 3d ouais eh ben, en, fait, en fait il en, il m'envoie euh, des screens j'en ai deux trois ici là il avait il avait une première approche en sépia. je trouvais très cool euh, je trouve que la, la le contraste et la cohérence est beaucoup elle est vraiment super dans celle ci mais il y' a rien à faire je préfère le côté euh, euh, les, les belles vestes euh, Ouh, le temps file les belles vestes euh, aux couleurs euh, des années 90 et euh, oh, j'ai vraiment envie de régler ce crayon. Je vais me concentrer. Je vais je vais, je vais faire le warrior. Là, c'est le client derrière mon épaule qui regarde et qui me dit allez, à 15h on ferme la boutique. Ah, t'inquiète. Tu termines bah, tu termines ça. Du coup, j'ai un petit commentaire de Robin qui dit j'ai trouvé mmh. un comparatif qui m'a l'air assez complet entre Toon Boom et Animate. Mmh. À la volée, les deux ont l'air assez équivalents. Je posais la question pour me motiver à migrer eh bah ben, écoute, euh, oui Why not? <laughs> Il y a surtout... Bah en fait, ce qui est surtout super pratique avec les applications Adobe, c'est ça, c'est le, le fait qu'elles sont toutes potes entre elles, quoi. Ouais. Mmh. Euh, Zaza qui dit c'est intéressant tout ça, je crois que je vais essayer de me remettre à l'animation tout en travaillant des illustrations sans dégradé, sans relief. Je vais animer des petites vidéos promo. Trop bien. Euh... Merci. Voilà, je crois que qu'on est pas mal. Moi, je ne suis pas du tout content. Il y a, il y a Alexandre qui vous partage plein de liens pour, pour les, les questions existentielles qui sont posées au fur et à mesure. Euh, et voilà, je crois que c'est bon. J'ai qui dit superbe. Voilà, je crois qu'on est, qu est à jour sur les questions. Ok. J'avais trop peur de tomber dans le piège, euh, de pas pouvoir montrer beaucoup euh, dans After. Et, euh, et je suis complètement dedans. Je suis complètement... Ah, non, dans mais... le piège. Ouais, tu sais, t'inquiète, nous, en fait, ce qu'on aime bien, c'est voir euh, quand tu ouvres ton fichier, comment c'est fait à l'intérieur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Donc, ouais. je ne te stresse pas, il n'y a, a pas du tout de d'obligation de, 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 de rendu, ouais. tu vois. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis, en vrai, euh, des fois, c'est un peu énervant de voir les gens qui sont trop forts et qui arrivent en cinq minutes. Tu vois <laughs> ah ben, pour ces gens-là, volontairement, voilà. j'ai un peu bradé ma vitesse. Euh... Moi, je m'identifie beaucoup plus à mmh. quelqu'un euh, qui n'arrive qui pas à faire euh, une animation merveilleuse en cinq minutes. Tu vois je me dis, bon, OK, c'est un être humain. Mmh. Moi aussi, euh, je vais galérer, mais c'est normal, ça fait partie du process. Mmh. Que... Euh... Le truc qui est fini en deux secondes, alors qu'after, euh, c'est pas évident. Euh, tu non. C'est un logiciel. Euh... Oui, tout à fait. Oui, ouais. Ouais, on, on, on y vient, on y vient, tout doucement. Ça, ça commence à. Là. Pour une animation comme ça, toi, tu y passerais combien de temps mmh. Bah Celle-ci, j'ai pas envie de la speeder trop, dans le sens où euh, euh, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir quelques jours. Euh, ben plus de jours qu'il n'en faut pour avoir, euh, pour avoir bien le temps de, de peaufiner, euh, quitte à changer. Euh, par exemple, je parlais du départ euh, du débar en trois temps. Euh, ben, Ce n'est pas grave parce que ça ne fait qu'améliorer la qualité du projet. Je n'ai pas envie non plus de, de spécialement attendre trop longtemps. Euh, à mon avis, euh, si, si, si je n'ai pas trop de taf cette semaine, je terminerai bien ça cette semaine pour vous partager après avec ça. Dans le Discord ou quoi. Oui, carrément. Pour, pour Adobe. Euh, et puis sur mes réseaux et tout ça, ça peut être, ça peut être intéressant. Mais j'ai vraiment envie euh, d'avoir un, un chouette enchaînement. Là, je remets, je remets l'animatique qui, qui passe derrière. J'ai vraiment envie, j'ai pas envie de sacrifier ça. Euh, je trouve qu'il y a vraiment un truc. Euh... J'ai l'impression que c'est un, un Tetris aussi, comme tu as plusieurs éléments. Ouais. C'est pas ouais. évident, tous les mettre ensemble. Ah, bon, allez. Il est 56. Je. Je place les, les clés du mieux, mieux possible. Euh, normalement, je travaille pas avec. Euh, je travaille toujours dans le Speed Editor. Euh, mais, euh, mais on va dire que je vais me contenter là, de, de l'idée, l'idée de base. Mais ce serait intéressant de voir euh, là où j'en suis, comment je galère. Et puis, euh, puis peut-être euh, de voir le résultat à la fin. Euh, oui, carrément. Euh, ce serait intéressant de vous voir, euh, voir l'évolution. Ça se trouve, ce sera une poule et ah, un plantage. Yes. <laughs> et bien yes. voilà. Et bien voilà. Voilà qui. On va rester sur bien. cet écran, je pense. <rire> Les... <rire> <rire> Allez, bisous After Effects. C'est drôle, J'en ai marre. J'ai plus envie. Je crois, je crois, qu je crois que j'ai mis, un... j'ai coché la case euh, euh, cracher le programme quand je n'anime pas assez bien. Bah, euh, j'ai mis en backup <laughs> euh, ouais. Genre, là, gars, ça fait 5 minutes Que tu es sur ces deux clés euh, Allez, j'arrête, je ferme le programme <laughs> Bon, du coup euh, Bisous After <laughs> Pour, euh, sans vouloir lui trouver des excuses C'est aussi qu'on a le partage Zoom qui consomme énormément de... Ouais. Énormément de, de ressources sur l'ordi J'ai observé ça ce matin, j'ai fait un test En faisant tourner ouais, Zoom un, Et, et bon j'ai eu, eu des crashs que je n'avais jamais eu Donc est-ce que c'est euh, en plus, c'est un crash euh, qui survient vraiment... Euh, genre, C'est un gros crash, quoi. Oui, oui, c'est... Ça a l'air d'être CPU, ou GPU. <laughs> ou... Eh ben, ouais. écoute, il est 58. Je crois que... Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu as envie de nous partager un dernier truc Non, j'ai si je... des questions pour terminer. Terminer par deux minutes de, de questions. Euh... Sachant que ça va être rapide. Non, merci, euh, merci pour l'invitation. Je suis, je suis super ravi, honoré. Euh, euh, ça me fait, ça me fait vraiment plaisir. Euh, euh, si tu veux, je peux conseiller des gens à inviter Je ne sais pas si ça te dit ou. Eh ben, bah, écoute carrément. Oui, oui. je, Mais, pense euh, que oui. je te prendrai euh, la petite liste euh, après, quand on sera... D'accord. Je vais te suggérer des, des très bons amis des, euh, des qui sont certainement dans le chat. Oui. Aussi. Et, bah, euh... Sinon, euh, envoyez-moi des messages. Hein. Je, je balance ça comme ça. Ouais. Ça marche aussi. Hein. On peut, on peut... Et aussi, euh, pour ceux qui nous regardent, euh, c'est pas mal quand vous êtes sur BN, parce qu'on on peut aller voir vos profils quand vous participez à la discussion et tout. Donc, on, on aime bien vous stalker un peu. Oh, ça aurait pu être chouette, ça, de faire une review d'un portfolio. On l'ajoute à la liste des idées d'émission <laughs> ouais, En tout a... cas, enfin euh, ouais voilà. Euh, ouais. J'aurais pu... Euh, en motion, en tout cas, je trouvais ça plus judicieux. Hein. Oui, vraiment, c'est ouais, une bonne idée. Eh ben écoute, euh, on va on va l'ajouter à la liste des idées. Robin qui dit euh, After Effects qui plante, tout est normal, pas de problème. Non, euh, pour, je, vraiment juste pour être euh, <laughs> non mais vraiment parce que là je fais un truc, vous voyez il y a une passerelle vers de la 3D et euh, et, et en plus euh, euh, bah, zoom est-ce qu'il est, c'est -ce qu euh, pas ultra opti euh, et je pense qu'il y a un conflit euh, de carte oui, graphique. Ouais. J'ai oui, vraiment l'impression que c'est ça. Euh, J'ai jamais eu le problème sans, sans zoom ouvert. Donc, euh, donc voilà. Mais Zoom n'a pas planté, donc on se demande qui est le méchant. <rire> <Carrément>. <rire> euh, bah Du coup, merci beaucoup Nicolas d'être venu, c'était cool. Merci oui. d'avoir montré ton, ton process et tout. Mm -hmm. euh, demain, je vous retrouve pour une session euh, un petit peu spéciale, parce que je sais pas si tu as entendu parler, euh, bah, tu disais que tu dessinais, mais pas, pas tant que ça. En fait, il y a des nouvelles broches qui sont sorties. OK. Designé par Kyle Webster. Ok, d'accord. Le, euh... le bon gars. Qui, voilà, c'est ça. Qui fait du bon travail. qui ne, qui, ne, mais qui ne blague pas. Uh -huh. Et euh, du coup, ils ont sorti 37 brushes euh, inspirées du travail de Kiss Haring. Excellent. Ah, c'est des chouettes brushes, ça, mon avis. Voilà. Ami. Donc, euh, okay. pour l'occasion, il y a un concours qui a été mis en place. Par, euh, par Adobe et en fait euh, vous pouvez gagner euh, je crois que c'est un an d'abonnement en cloud et jusqu'à euh, 5000$ dollars de prix donc c'est okay, cool. Okay, cool donc des, donc euh, demain on fait une session exprès on va recevoir une invitée qui va faire la démo des broches euh, en direct et tout ça va être cool voilà. est-ce que les est-ce que les broches sont gratuites alors les broches elles sont incluses dans l'abonnement ouais ok parfait ouais, ouais. donc tu peux les télécharger dans Photoshop et dans Fresco oui, c'est ça comme, euh, comme toutes les Kyle brush euh, qui sont intégrées. Voilà, maintenant. exactement. Ouais, ouais. Donc okay. euh, les brushes sont gratuites. Là, il y a Alexandre qui est en train de vous passer le lien euh, voilà, qui est oh, en, en train de montrer ça sur l'écran et, euh, et voilà. Donc un petit concours et tout. Donc demain on parlera de ça, ça va être cool. Voilà. Excellent. Et ben bah, merci à tous. Merci à tous ceux qui étaient dans le chat, euh, merci au chat. comme d'habitude euh, les noms habituels. Et puis bah, merci Nicolas. Moi, vous Avec fais grand des plaisir. Et oui. Et euh, à demain. Salut. Ciao, ciao.